J'ai équipé cette grosse tourelle parce que je voulais savoir la masse totale pour définir le nombre de masses et onceurs qu'il me fallait sur le pied. Alors je l'ai équipé de manière relativement simple, canon, canon et un effet. Je vais mettre 4 effets de chaque côté différents, comme ça les 4. Alors je mets que 50% d'effets, hein. Il y a pratiquement 100% de secondaire, comme ça tire vite. Et l'effet sur 50% de la puissance, ça fait 41 000 DPS, si je ne m'abuse, un truc comme ça au total. Voilà, donc ça fait, bon, c'est double tir, hein, et ça fait 4 300 à chaque fois que ça fait un dégât, et surtout 21 blocs de, comme il y a un piercing, 21 blocs de pénétration, ce qui est quand même assez. Bon, quand il n'y a plus de bouclier, ça fait mal, quoi. Donc c'est pas mal, ça pique un peu, et c'est pas trop agressif, comme je voulais. Alors maintenant qu'elle est sortie de son logement, je trouve qu'elle ressemble étonnamment à une tomate en fait, une tomate dont on aurait coupé le haut pour la farcir. Donc si je devais lui donner un nom, je l'appellerais le tomate farcix. Alors je mets toujours un petit peu de moteur, histoire qu'elle bouge un tout petit peu. Là, la 0,2 de Massio Thomas, c'est pas grand-chose. Et j'ai quand même gardé une ligne d'énergie au milieu. C'est l'ancienne énergie, mais ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, les tourelles tirent leur énergie du vaisseau, ainsi que les boucliers. Donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait un truc super propre. Il y a un tout petit peu de place au milieu pour faire la croix. Enfin bon, il n'y a pas beaucoup de place perdue. Et comme il y a quand même un total de 6 783 blocs. Pas mal quand même pour une arme. Il y a quand même de la place. Donc maintenant, je vais pouvoir finir le pied. Et surtout, le multiplier. Essayer de caser au-dessus également. Et équiper des différentes manières, les différentes tourelles. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fifoux et bienvenue dans le 13e épisode de StarMed. Alors, j'ai fini les gamelles et je les ai toutes posées, les 10. J'ai pu mettre le nombre exact de masses enhancers, j'en ai même mis un peu plus. Les tourelles font un peu plus de 1000 de masse et j'ai mis dans les pieds de 10% de plus. Ça fait 1100 en remplissant le carré du fond. Bon, comme ça, on ne le voit pas, c'est parfait. Et ça évite de faire trop gros derrière. Déjà, ça prend de la place, les gros réveils, là. Donc, c'est pas mal. J'ai agrandi un petit peu de deux, comme j'avais dit en haut et en bas, le hangar. Il y aura de quoi faire un truc plus grand. Je sais pas s'il faut faire la porte encore plus haute. J'ai peur qu'après, ça soit moins joli. Mais enfin, bon. On faudra essayer de mettre le plancher et essayer de voir quelle taille essayer de commencer à faire une coque de cargo pour voir un peu la taille que ça. Il faudra aussi qu'il donnera dans le hangar faire un dock pour accueillir des vaisseaux, hein, comme Tidarmaptix puisse venir se poser. Imaginons, il accompagne, ou je sais pas, une navette ou n'importe quoi. Alors que les docks principaux seront au niveau du pont ici. Alors, et de ce côté-là, ça va être embêtant, parce que passer de l'autre côté de la lame, ça va être la galère, sauf à passer derrière. Marque, ça peut se faire, il peut y avoir des couloirs, des trucs, une infirmerie, ce qu'on veut, hein. Si on se réserve tous ces niveaux-là pour les hangars et les stocks, etc., il y a de quoi faire. Bon, à tout le reste pour mettre les blocs actifs. Donc c'est quand même pas mal. Je vais finir les tourelles avant de passer au reste. Donc je vais là c'est piercing, je vais faire punch through. On avait dit quoi? Explosion et ion peut-être ici et explosion en bas. Et puis les deux tourelles missiles rapides avec à chaque fois un petit effet, je sais pas, hein, quand il fait explosion. Ça va me revenir. Les combinaisons d'armes sont pas si compliquées que ça à retenir, mais chaque fois je les oublie. Là, il n'y a pas besoin de faire des disrupteurs, etc. Une fois fini, j'obtiens bien l'effet que je voulais de discrète. C'est-à-dire quand on le regarde de face, on voit peu les canons, ça dépasse pas, ça fait, voilà, ça fait, c'est une défense quoi, mais c'est pas plus que ça. C'est ce que je voulais. Je voulais pas un énorme canon très agressif. Non, non, pas du tout. C'est bien comme ça. Puis après, cette grande plaque grise, là, enfin, je sais pas. Je me demandais si j'allais pas faire des lignes, des croisillons, puis faire quelque chose derrière, une déco en retrait derrière qu'on devine seulement. Voilà. Donc, je fais les autres tourelles. Un simple remove replace et on a changé notre tourelle. Pourquoi ça touche au milieu là? C'est fait exprès. Bah oui, c'est un seul bloc, c'est mieux. Très bien, parfait. J'ai laissé de la place au milieu pour qu'on puisse bouger dedans et voir les différentes parties des différents blocs. Voilà, parfait.
Effet explosion. Lui, il diminue un petit peu la performance, on va dire. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais par contre, il augmente le radius. C'est-à-dire que d'attaquer le bloc que ça touche les blocs autour. C'est pas mal aussi, ça. Mais c'est la même puissance. Hein. Toujours canon-canon, donc ça change pas, ça. Ok, on est bien, là. On est bien. Hein, Tintin. Alors. Finalement, comme nom, j'ai choisi World Itix. Alors, on m'a proposé Gargantix, mais je trouvais ça un petit peu trop prétentieux, comme il n'est pas pour la grand, quand même. C'est une lame, hein. Il est très haut, mais il n'est pas si grand que ça. Donc, c'est pas un gargantua. C'est vrai que ça allait bien avec l'esprit de manger, c'était pas mal. Mais je vais reprendre l'idée de Eragon avec son mange-monde, qui m'a proposé de faire en anglais World Itix pour rester dans la façon dont j'appelle mes vaisseaux. Et j'aime bien, c'est mieux que Planitix, qui ce n'est pas terrible, je savais pas, je voulais tourner autour de ça et je trouvais pas. Mais World Itix, ça sonne bien, le World Itix. Ça me paraît pas mal. Le mangeur de monde. Et enfin, la tourelle missile canon avec effet explosion, ce qui me donne un radius impressionnant de 11,1 même. Et surtout un dommage par missile, il y en a deux qui partent à chaque fois, hein, 107 000. Et ça tire toutes les secondes et demie, donc c'est pas mal. C'est bien. Qu'ils y viennent, j'ai envie de dire ça, ouais. Qu'ils y viennent. Bon, il y a quand même un bug qui traîne chaque fois qu'on change d'unité trop souvent. On peut plus rien faire sur le vaisseau, on est obligé de déco, reco, c'est bizarre. Heureusement, le jeu charge très très vite. Il est pas encore parfait, hein. Ah, j'ai oublié de le sauvegarder. Je sauvegarde avant de le docker. Stop. Bon, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de moteur. Alors, il est un peu lourd à déplacer, hein, ça c'est sûr. Allez, on sauvegarde ça. Save Blueprint. World. Et j'aime bien que mes blueprints soient parfaitement écrits, sauvegardés. Facile à retrouver si on veut s'en servir, si on veut les retravailler pour un autre vaisseau, pour les recharger, les regarder comment ils sont faits, ou des fois pas forcément pour les reprendre, mais juste pour regarder comment on avait fait. M, missile, C pour canon, et E pour explosion. MCE. Tchoum. New missile, MCE. Donc là, il faut se docker à droite, toujours à droite. Même si je mets deux docks hein, sur les conseils de Ruldor. Si un dock est détruit, ça quelques secondes. Si ça bouge pas trop, la tourelle, elle peut se redocker de l'autre côté. Et continue à tirer. Ça, c'est bien. Allez. Ça fait une sécurité. Bon, celui qui attaquera par l'arrière. En plus, c'est par l'arrière que les attaques risquent de venir. Puisqu'on sera face à la planète. Donc ça va pas venir côté planète. Ouais. Ça commence à habiller un peu. Si, ça habille bien les tourelles. Les belles tourelles, ça habille, y a pas à dire. Tout de suite, on commence à voir le truc se construire. Après la forme générale du vaisseau et l'intégration des principales tourelles, je pense que le mieux, c'est de faire les moteurs. Ça nous permettra d'envisager la suite. Alors, j'ai déjà une idée de base sur les moteurs. On peut faire deux. On a, comme c'est plutôt en largeur, on peut faire deux ronds et des plus petits autour. Je pense qu'il y a de place. Il faut que je fasse des repères. Je vais tirer des lignes, mettre un rond de base et puis des petits ronds autour. Puis on va voir après comment on peut arranger tout ça. Mais il faut déjà faire la forme de base. Je vais essayer. Donc je vais remettre mon miroir et je vais m'y coller. Cette taille-là me paraît pas mal. Ça laisse de la place pour mettre deux plus petits moteurs au-dessus et en-dessous au milieu. Et puis je pense qu'on peut se décaler, enfin trouver un moyen. Là il faudra avancer, puis peut-être réduire un peu, etc. Faire un moteur un peu comme une ogive. Ça va pas être simple, mais cette base-là me paraît bien. Alors je parlais du nouvel outil, c'est génial parce que maintenant on peut changer. On est dit, ah bah non ça va pas, recalque, hop, on fait par-dessus et tout. Ça change tout, hein, c'est beaucoup plus facile. C'est génial. Je pense que c'est pas mal comme ça. Si. Faut que je cherche encore. Je vais essayer de placer le petit rond. Si on se met 4, cette position.
Si on peut le mettre... 4, c'est peut-être un peu grand, quand même. On va essayer 3. 2. Non, 2, c'est trop petit. Ah, ça, c'est pas mal. Ou alors, on l'intègre en même temps dans l'autre. Ouais, mais là, ça dépasserait. Non, il faut faire 3. Ouais, ça peut être sympa. Une taille un peu bizarre. Un au-dessus, en dessous, comme ça, plus petit. Un peu en retrait par rapport aux autres qui vont avancer un peu. Ça peut le faire, je teste. Voilà, les grosses gamelles sont faites. Alors j'ai fait des petites anneaux comme ça pour cacher un peu la pixelisation, hein, c'est ma bête noire. Des petits radiateurs pour changer un petit peu de texture, un peu de couleur, du gris clair, du marron. Je me demande s'il ne faudra pas utiliser l'épaisseur, parce qu'on a 3 même d'épaisseur. Ici, pour faire une sortie de tuyau, pour relier, sans empiéter sur la visée des tourelles. Mais je sais pas, aller faire pour aller planter des tuyaux bleu, orange, enfin une couleur un peu flashy, que ça fasse de la tuyauterie. Maintenant, il faudrait, avant de faire le centre ici, parce que c'est, je trouve que ça s'intègre plutôt bien, ça. On est bien dans le truc. Si j'enlève l'interface. Ouais. Faut que j'intègre les petites gamelles. Pour finir le moteur et après je ferai le centre. C'est pas évident. Je cherche toujours. Hein. Je fais des tas d'essais. Et puis au bout d'un moment, je me dis, tiens, ça c'est pas mal. Après, bon, ça peut être sujet à changement. Bon, évidemment, c'est pareil au-dessus et en dessous. Hein. Mais l'ensemble, je pense que ça fera pas mal. J'ai envie de faire un. Je vais laisser le liseré rouge. J'aime bien. Et mettre un truc plutôt irisé avec de la glace là pour que ce soit assez clair. Et juste très clair au centre. Ouais, je pense que ça ira le mieux. Et ici, je vais mettre du. Cela là, les Ice Crystal sur les petits. Ça flash un peu. Ouais, j'aime bien ça. Ça s'intègre pas mal, mais du coup, ça réclame des petites choses sur les côtés ici pour faire la liaison. On va voir ça. Déjà, les petites gamelles. Ça pourrait être pas mal, mais je pense que ça peut être mieux si c'est plus gros et que ça va plus haut. Quelque chose qui irait jusqu'à là. Un 2 plus haut, mais je vais me retrouver un 2 plus bas. Alors, peut-être coller carrément ici. Peut-être. J'essaye. Bon, en le faisant plus gros, c'était trop gros. Du coup, je l'ai relevé encore et j'ai eu la bizarre idée de l'intégrer comme ça. Ce que je trouve pas mal. Je me demande même si on peut pas un petit peu améliorer le bord ici. Toujours un peu sûr de trouver le bon angle. Moi, ouais. Du premier coup, on le fait dépasser un peu. Jusqu'à là. C'est pas mal comme ça, c'est rigolo. Ça l'intègre dans le tablier. Alors après, bleu ou pas la couleur, je sais pas. Peut-être on peut reprendre le rouge. Mais là, je vois trop de rouge, donc je sais pas décider si ça doit être rouge ou le... Enfin, bleu, blanc presque. Ou bleu-bleu, d'ailleurs, pour rappeler la tourelle. Pourquoi pas. Ou alors, on met une lumière noire pour que ça fasse violet, violacé. Oh, ça peut être rigolo aussi. Il n'y a pas une lumière noire. Il y a de la lumière noire, mais il n'y a pas de cristaux lisses noirs, je crois pas. Ils sont où les cristaux? Ils sont là. Alnox, peut-être. Ça, c'est Sei. C'est clair, ça, un peu? Ah, oui. Oh, c'est même plus diffus. Ça peut être pas mal.
On n'est plus dans les couleurs, mais enfin bon, c'est comme c'est un effet de moteur ou de je sais pas quoi. Ah oui, ça fait sympa. C'est plus discret. Ça fait un petit effet. Et ça se voit à peine. Ah, c'est pas mal ça. Bon, il y aura moins de rouge de visible parce que ça va être fermé, donc. Et puis ça va être juste au bord et le reste, ça va être plutôt étirisé blanc. Donc ça, c'est pas mal. J'aime bien ça. C'est un peu zarbe à faire. Alors là, évidemment, il y a un truc un peu curieux. Je sais pas comment le gérer. Pas du tout. J'ai bien ramé pour faire celui du bas, là, parce qu'il a fallu que je découpe dans le blindage. Alors, c'est des corners qu'il faut retourner dans tous les sens pour faire un truc à peu près sympa. Comme ça, j'ai pu remettre la lumière violette un petit peu derrière. Et parce qu'au début, j'avais fait ça tout le long, mais du coup, j'avais plus de place pour la tourelle. Donc, et j'arrivais jusqu'à là, donc c'était pas bon. Il fallait que ça s'arrête avant. Donc du coup, j'ai réussi comme ça. Alors j'ai mis les panneaux, il n'y a plus qu'à faire iriser. Ça, on peut l'enlever? Non. Quelque chose qui me paraît bizarre et pas symétrique. Non, ça a l'air bon. Moi, ce que je fais, on va mettre du jaune. Et on va le mettre en opposition. On va en mettre un là. Et donc, un là. On va mettre du vert. Ou c'est le bleu qui est le complémentaire. Peut-être mieux de mettre le complémentaire pas très loin. Moyen. Le vert. Comme ça. Le violet. Ici. Là plutôt. Faut peut-être en mettre deux à chaque fois. Non, c'est pas mal ça. Ça fait un de ces souks. Du coup, il faut mettre quelque chose de plus clair au milieu. Parce que même si je mets les moteurs derrière, qu'on va voir en transparence, il faudra les mettre de toute façon pour que ça fasse bien iridiser. Oh, je vais pas réussir à le dire celui-là. Hein. Non, c'est même pas ça d'ailleurs, c'est pas irisé. C'est pour que ça fasse la plume. Donc faut qu'il y ait masse thruster derrière pour que la plume s'agrandisse d'autant. Ouais, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas du tout. Ça va pas, ça va pas, ça va pas du tout. C'est pas assez clair. Je pense qu'il faut plus de lumière. Si j'en mets plus, ça va peut-être être mieux. Que je dis. Donc ça se rapproche du blanc aux intersections, quoi. Ah ben c'est bon, c'est là, c'est visible. Alors j'ai mis deux verts là. Donc deux verts là. Deux jaunes là-haut. Hop, deux jaunes en bas. Et deux bleus. Ça fait quoi? Pas encore assez clair. Faites trop zarbi. Faut que ça éblouisse plus. Alors, ce compte-là, si on met carrément un truc très très blanc, c'est mieux. Je pense que ça peut être mieux. Non, c'est là. Ouais, c'est mieux. Ouais, alors je sais pas s'il faut mettre des zizi en plus au milieu. Ah, ça y est, ça recommence. Chaque fois que j'enregistre, ça me fait des espèces de lags. Je vais changer de logiciel pour la prochaine fois. Je crois que je vais prendre le truc de Nvidia, là. La carte vidéo, je vais essayer de m'en servir. Parce qu'avec Fraps, c'est... Je sais pas, c'est bizarre. Je crois que les fichiers sont trop gros.
Le temps d'accès au disque est trop long. Oui, c'est pas mal, ça. Je suis pas sûr qu'il faille mettre des trucs en plus par-dessus. Je crois que c'est... Je vais le laisser mûrir comme ça. Après, il n'y a plus qu'à remplir tout ça pour que quand ça fera la plume, bien comme il faut. Ça sert à rien. Ouais, c'est mieux comme ça. Ah bah non, mais on... Ah non, mais non, mais ça, faut pas l'enlever, crétin. On m'a dit qu'on faisait exprès d'avoir ça, là. Je confonds le... la glace et ça. Bon, je remplis tout ça. Je suis en train d'essayer de rajouter une espèce de tuyauterie, là, comme ça, histoire de faire... Qu'est-ce que ça fait, là, ça? Un petit accident sur cette grande coque. Un des accidents qu'on va faire. Que ça soit un petit peu, un tout petit peu industriel. On n'a pas besoin que ça soit énormément industriel. Juste un tout petit peu. Si, si. Ça peut rajouter quelque chose. Hop. Hop, ça on ferme là. Ça ici. Ça on le fait aller tout droit. Ça comme ça. Et là on peut fermer. C'est un peu bizarre mon truc. Mais bon. Non, ça va pas. C'est bizarre. Bon, j'ai beaucoup cherché et finalement c'est ça que j'aime bien parce que ça empiète sur le bouclier, ça ne dépasse pas sur les tourelles et ça habille un peu correctement. Bon, mais j'ai oublié le miroir pour le violet, faut que je refasse celui du bas. Mais globalement, ça rajoute quelque chose. J'aime bien ça. Petit à petit, il faut que je l'emmène vers un look un peu industriel. Alors, je me demande si ça, là, qui est un peu plat aussi. Et là, je peux pas avoir une espèce de gros bidon encastré, peut-être encore avec des câbles qui restent branchés sur le moteur ou je ne sais quoi. Ça ferait pas mal aussi. Il y a des trucs que je veux laisser volontairement dégager, comme ces zones-là. Parce que j'aime bien la shape générale. Ici, il va y avoir un dock, donc on va essayer de faire un design sympa. Mais par contre, ce grand aplat gris, je pense qu'il faut essayer de la... Puis on va faire d'autres accidents partout. Il va y avoir une petite tourelle anti-missile. Voilà, l'ensemble devrait petit à petit commencer à s'habiller. Alors du coup, avec le niveau de détail que j'ai mis là, à l'intérieur, il va falloir assurer après. Hein. Ouh. Maintenant, moi, je dis qu'on pourrait faire une sorte de gros réservoir encastré ici qui viendrait un peu casser cet angle plat. On pourrait même avoir un petit rappel ici, je ne sais pas comment. Alors, j'avais imaginé faire des engrenages et faire tourner, mais je vais essayer d'éviter au possible les choses de quai qui font des mouvements et tout ça. Ça peut gêner à terme, faire des lags, etc. Donc, on va essayer quand même d'optimiser un petit peu. Et je pense que un bidon, ça peut être sympa. Peut-être avec des accroches, avec des pattes en dessous qui dépasseraient au-dessus aussi. Non, au-dessus, on peut pas. Pas en dessous. Bon, on va bien se débrouiller. Si, si. Faut que je cherche. Alors, après quelques tests, faudrait faire un gros bidon comme ça. Et je trouve que ça rajouterait pas mal à rien. Faut réussir à le faire maintenant. Et que ça fasse pas trop naze. J'ai manqué un peu d'imagination, là. Faut voir, je me creuse la cervelle, parce qu'il faut l'attacher, il faut y faire des détails, il faut que ça fasse vraiment bidon, industriel, réservoir, quoi. Et je trouve que ça pourrait être pas mal. Ça donnerait un petit côté industriel au vaisseau, hein. C'est un vaisseau de minage, hein. Donc il faut vraiment lui donner un petit côté industriel. C'est ce que je cherche à faire. J'ai bien ramé, mais je l'ai fini, mon bidon. Voilà. On dirait une grosse pile à énergie pour alimenter le réacteur. 4 grosses piles pour 4 gros réacteurs, c'est bien. Plus les petits réacteurs Xotan, très bien. Alors du coup, ça m'appelle un bidon plus petit pour la continuité ici. Et je pense qu'on aura habillé un peu cette grosse plaque. Ce qui est pas mal. Je me demande s'il ne faut pas en mettre deux. Bon, on va voir. Déjà, on met un ici. Je
trouve ça pas mal. Bon, j'ai essayé de le faire bleu pour faire d'une autre couleur, mais c'était pas bien. Il fallait mieux que ça soit dans l'alignement de l'autre. Je pouvais pas mettre la même attache noire, donc je l'ai mis au milieu. Et j'ai essayé avec les bandes rouges, mais c'était pas bien, donc je l'ai laissé simple comme ça. Et juste les bandes rouges au milieu, ça faisait un peu nu. Avec la tache noire, ça rappelait plus l'autre. Et du coup, on voit, comme l'œil est plus court, on voit le rouge des bouts. Ça trompe l'œil. Efficacement. J'aime bien. Bon, si on regarde que ça, évidemment, ça fait bizarre, mais quand on regarde l'ensemble, c'est pas mal, je pense. Si l'on regarde bien le vaisseau sur le côté, ça forme un losange ici. Donc je pense qu'il faut que le dock d'accueil soit là. Et parce qu'en fait, les lignes qui sont ici, elles sont en retrait, les lignes grises foncées. Donc je peux pas aller jusqu'au bout. Parce qu'ici, c'est trois quarts. Trois quarts de bloc, je ne pourrais pas faire les pentes, etc. Donc il faut que ça s'arrête avant. Donc je vais me servir du dock pour l'arrêter avant. Donc il faut que je mette d'abord le dock. Donc un de chaque côté. Hein. En le centrant sur ce losange, je pense que c'est le mieux. Et comme ça, les lignes vont s'arrêter là. On va essayer de faire un truc un peu marrant ici. Donc je vais prendre mes repères. C'est-à-dire qu'en fait, je vais continuer ici. On va prendre des blocs qu'on verra facilement. Allez, les rouges. Là, c'est la pente. Donc, on va prendre. Remarque, on peut faire comme ça. Hop. Je prends mon repère comme ça. Et après, j'enlève. Et évidemment, bien sûr, c'est pair. Alors, de quel côté je triche? Vers l'extérieur ou vers l'intérieur? On va dire vers l'extérieur. Pourquoi? Comme ça. Ou vers l'intérieur, peut-être. La vue sera plus troublée par ça. On ne peut pas se repérer sur la pointe. Et une fois qu'on n'a plus rien ici. Ah, il fait des trous. Il fait des trous, il fait des trous, il fait des trous. Normalement, là, ça devrait être bon. Il faut quand même prendre des repères. Hein. C'est comme avant, on ne met pas où on veut. Après, il faut adapter un peu le biniou. Ça n'a pas changé en fait. Alors, évidemment, j'ai pris ça sur un autre truc il y a longtemps. Donc, évidemment, il y a plein de machins à enlever. Ah, ça recommence! Les gels. Ah, il faut vraiment que je change de logiciel. C'est par moment, c'est curieux. Comment ça pourrait être ça? Comme ça? Comme ça, peut-être. Non. Comme ça. Et ça finirait comme ça. Ok. Le haut, c'est pas mal, mais ici, il faut adapter. Parce que c'est moche. C'est moche comme tout. Comme ça. Et peut-être un corner. Non. Ah! De toute façon, on n'a pas besoin du docker, on veut, puisqu'on ne veut pas se docker. Donc ça dégage. Comme ça simplifie tout. Ah! Comme ça. Comme ça en dessous. Bah là, il va y avoir un petit accès d'un. On va essayer. Bah, il va dépasser un peu, comme d'habitude. Hein. On peut pas faire autrement. Hop. Mais on va l'encastrer quand même le plus possible. Faire comme ça. Ah oui, je suis parti plus haut. Je suis parti vers le dessous comme ça.
Oh, bah ça va pas être évident l'histoire. Si on met pas ça. Pas évident. Alors, faut faire quelque chose de beaucoup plus. Comment on peut faire? Si je prends carrément ça, que je fais comme ça, on s'embête pas avec tous ces trucs-là. Il sera juste plus grand que d'habitude. Ça va pas être très joli, ça. I think it's not very joli. Voilà, comme ça. Ici, c'est. Ah oui, mais pareil, ici, de toute façon, faut cacher. Faut cacher la misère. Donc là, on peut pas. Donc on est bien obligé de monter en pointe. Ah ouais, on est obligé. Si, c'est le seul moyen. Au moins d'un cran. C'est jamais comme je veux ça. Faudrait qu'ils se souviennent par bloc. Oh. Oh. Purée, clic n'importe où. Il commence à fatiguer. Hop. Ouais, c'est un peu zarbe quand même, hein. Faut que je cherche encore. Et voilà. Est-ce qu'on met de la lumière derrière les barres là? Je crois que je peux pas faire beaucoup mieux que ça. À moins qu'on puisse un peu tromper l'ennemi en descendant un peu ça. Bon, faut mettre du gris derrière, évidemment. Ah, quoique, c'est pas mal ça. Ce qui aurait même été sympa. Mais là, on va voir le moteur. Est-ce qu'on peut cacher derrière? Peut-être que oui. Ouais, ça peut peut-être passer. On met un ventilo. Ah oui, mais là, on va voir des trucs. Ah, quoique, ça fait presque bien. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Ça fera pas bien. Puis ça non plus. Ok. Bon. Ah, dès que la séquence fait 5 secondes, je lag. Oh, ça recommence. Très énervant, ça. Faut que je règle ce problème. Et ma foi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que je mets un truc en couleur derrière là? Qu'est-ce que je peux mettre? Wow. Ils sont où? Cristaux. Cristaux bleus aussi? Ouais, peut-être qu'il faut rester dans le bleu à cet endroit-là. On a déjà mis assez de couleurs comme ça. Comme ça. Décorationner ça. Oui, j'ai enlevé le miroir au bas. Et puis il faut que j'enlève celui de gauche pour. Parce que quand j'ai collé, il est à l'envers maintenant, le dock universel. Ouais.
Bon, il est pas mal ce doc. J'ai envie d'aller chercher un vaisseau pour voir comment il se doc justement. Ouais, j'aime bien. Globalement, ça vient casser le truc, ça finit la ligne qui est là. Peut-être qu'on peut mettre le logo impérial ici. De chaque côté, derrière, sur la queue. Peut-être qu'il faudra faire le hangar un petit peu plus grand. Je crois qu'il faut commencer le cargo pour savoir quelle est la taille du hangar. Avec la taille du hangar, j'aurai la taille du cargo du vaisseau où on va stocker. Et puis j'aurai comme ça les couloirs, je saurai où les mettre. Et donc je saurai où mettre après la cabine le dock, enfin le vrai dock universel pour se docker, qui va être par là-bas, là où il y a le petit trou. Ça, c'est des essais de fenêtres que j'avais fait, parce que comme je vais mettre des cabines, il va y avoir des fenêtres. Je vais voir après comment je vais faire. Ça habillera en plus la façade. Ah, on a bien avancé. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je vais aller chercher un vaisseau histoire de le docker, voir ce que ça fait. Alors, essayons de nous docker proprement. Stouk. Ouais. Bah voilà. On va resetter ces tourelles à lui. Entity structure. Right turret system. Il est où? Right system collectif. Reset all turret. Voilà. Le petit Dermaptix. Il est tout petit à côté. C'est un petit cafard accroché. Mais c'est cool. Ça se dock très bien. Parfait. Normalement, ça a dû ouvrir les portes, mais walou. Celui du Dermactix, il fonctionne. Faut que je refasse ma copie, j'ai l'impression qu'elle marche pas. Aïe. Ah non, je suis sorti. Normal. Ah. Tink. Gravity. Ah non, j'ai excité la gravité, j'ai fait le contraire. Pourtant, j'en mets partout exprès, des blocs de gravité. Et voilà. Et on arrive dans le vaisseau. Waouh. 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 Bon, évidemment, là, il faudra un plancher, des escaliers, une coursive autour du hangar. Je sais pas comment on va faire ça. Bah, je crois que la prochaine étape, c'est de faire un petit cargo, au moins à la coque, pour essayer de voir la taille qu'il a. Pour savoir où le docker, quoi. Bah oui. Enfin, pas où le docker. Enfin oui, où le docker. La taille qu'il faut pour le docker. Peut-être qu'il faut agrandir la porte du hangar, peut-être pas. Je tombe. Mais si je sors pas de la gravité, je suis mal. On va faire un truc F. F1 et F8. Et voilà. Parfait. Donc, oui, on va arriver assez loin quand même. On peut pas tellement le faire plus petit, ça. Après, je vais cacher tous les thrusters dans la paroi, et on va faire une autre paroi, on va faire les murs du hangar, le plafond. Je sais pas combien il doit être, le plafond avec des grosses poutres, des tuyaux partout. On va essayer de faire un truc sympa. Un look un peu industriel aussi. Voilà. Bon, c'est très différent comme moteur, mais j'aime bien les nouveaux moteurs. Là, j'avais moins de place, évidemment. Mais il est bien aussi, lui. Bon. Bah, je suis très content, j'ai bien avancé. Et on va avancer encore davantage la prochaine fois. Et je change de logiciel d'enregistrement, c'est promis. Allez, à la prochaine. Bye.